سلام مش راح مسابقة بس بس هيك والله كتاب سلهنا تقول لي تقول دير قدام اخي الكور تاعك يا ولدي ماري دير كبر شي فيلم J'ai soupiré. D'accord. Allez, bonjour. Allez, vous m'entendiez là? Oui, allez-y. On va commencer le cours maintenant. Voilà.
Aujourd'hui, on va essayer de voir donc l'exploration de l'appareil urinaire. Donc, pour commencer, donc, on va suivre ce plan. Vous m'entendiez bien ? Pour répondre. Oui, d'accord. Donc, pour commencer le cours, on va suivre ce plan. Donc, on va faire une petite introduction, rappel anatomique, technique d'exploration, sémiologie normale et sémiologie pathologique. Et on va terminer par les étiologies et la conclusion. Donc, en introduction, donc, les techniques d'exploration de l'appareil urinaire sont nombreuses et vu que l'examen clinique est insuffisant. C'est-à-dire, si on fait un examen clinique complet, on ne peut pas poser le diagnostic dans... C'est-à-dire... La plupart des cas, on ne peut pas poser le diagnostic. Donc, on aura besoin de techniques d'imagerie. Voilà. Donc, on va faire un petit rappel anatomique. Normalement, le rappel anatomique est censé être connu. Donc, on va faire brièvement un petit rappel anatomique de l'appareil urinaire. Donc, il faut savoir que l'appareil urinaire est constitué de deux parties. Donc, les reins plus les voies excrétrices. Les reins, donc, c'est les organes sécréteurs des urines. Donc, une voie excrétrice, donc, ça commence par les petits calices, les grands calices, donc, les uretères, et après, donc, la vessie et l'urètre. Donc, il faut savoir, on a vu ça quand on a fait le cours de l'abdomen sans préparation, que les reins se projettent de part et d'autre de T12, L1, L2. OK? Les uretères lombaires se projettent. On regarde les apophyses transverses des vertèbres lombaires et après la vessie se projette au niveau de la région pelvienne. Voilà. Donc, il se voit, faut savoir que le rein il a la forme d'un haricot, donc avec deux pôles, pôle supérieur, pôle inférieur, un bord interne, un bord externe. Le grand axe du rein il est oblique en bas, en dehors et en avant. La taille du rein, généralement, c'est 3,5 vertèbres. Voilà. Quand on fait une coupe au niveau du rein, on va voir le parenchyme rénal qui est divisé en deux parties. En pointillé, là, c'est la corticale. Et ce qui est pyramide, qui ressemble à des pyramides, ce sont les pyramides de Malpighi. Donc, les pyramides de Malpighi, c'est la médullaire. Et la zone pointillée, c'est la corticale rénale. Donc, pour les voies excrétrices, ça commence au niveau des petits calices, après les grands calices, après le bassinet ou bien le pilon, et après les uretères. La vessie, qui est le réservoir des urines, et l'urètre. La vessie est considérée comme étant une partie des voies excrétrices. Donc, comme vous voyez ici, donc, le rein a la forme d'un haricot avec pôle supérieur, pôle inférieur, bord externe, bord interne, où se trouve le sinus rénal avec l'artère rénale, la veine rénale et le bassinet. Le rein est entouré par une enveloppe comme ça qu'on appelle l'enveloppe de la capsule de Glisson. Vous voyez le parenchyme rénal avec la corticale. Et la médullaire représentée par les pyramides de Malpighi. La zone de la corticale entre les pyramides, on appelle ça les colonnes de Bertin. Voyez les petits calices avec le fond caliciel, la tige. Voyez les grands calices et voyez le bassinet. Ça va jusqu'au là. Oui. Il faut répondre. Oui, très bien. Donc, l'unité fonctionnelle... Du rein est représenté par le néphron, comme vous le savez. Le néphron est constitué d'un glomérule qui se trouve au niveau de la corticale. Après, vous avez en bleu le tube contourné proximal, l'anse de Henle qui se trouve dans la médullaire, le tube contourné distal en marron qui se trouve au niveau de la corticale et les tubes collecteurs au niveau de la médullaire. Ça, c'est connu. Donc, pour l'urètre, il est différent chez l'homme. Par rapport à la femme. Chez l'homme, il est long, il est complexe. Vous voyez, l'urètre, il a deux parties, la partie postérieure qui traverse la prostate, là, qu'on appelle l'urètre prostatique, puis une partie qui traverse le périnée, qu'on appelle l'urètre membraneux, puis la partie qui tourne comme ça, qu'on appelle l'urètre bulbaire, et après la partie qui traverse le pénis, qu'on appelle l'urètre pénien. Donc, prostatique, membraneux, bulbaire, et pénien. Chez la femme, l'urètre est rectiligne, il est court. Alors, ça va jusqu'au là. Il faut répondre par oui.
Ça va, le rappel anatomique? Voilà, très bien. Donc, on va commencer par les techniques d'exploration, l'exploration de l'appareil urinaire. Donc, on a plusieurs techniques. Les techniques sont nombreuses. Donc, l'abdomen sans préparation, l'échographie, l'urographie intraveineuse, la cystographie, la TDM, l'IRM, les autres techniques et la radiologie interventionnelle. Alors, on va commencer par la radiographie standard. La radiographie standard, c'est l'ASP, l'abdomen sans préparation, ou bien l'AESP. On a vu ça quand on a fait le cours d'ASP. C'est l'arbre urinaire sans préparation. Donc, l'ASP, quand on explore l'ASP pour une pathologie urinaire, on fait l'ASP en position couchée ou bien debout. Il faut répondre par un mot, un seul mot. Debout ou bien couché. L'ASP couché, non. Debout, généralement, c'est pour la pathologie digestive, c'est pour les occlusions, etc. Mais pour explorer l'appareil urinaire, parce que la pathologie lithiasique, généralement, qui prédomine, donc on fait toujours l'abdomen en position couchée pour explorer l'appareil urinaire. Donc, pour les critères de qualité d'un AESP, donc c'est le bord, il faut voir le bord inférieur de la symphyse pubienne, les deux dernières côtes. Pourquoi? Parce que les deux dernières côtes traversent l'épaule supérieure des deux reins. Il faut voir le bord externe des muscles psoas, donc, et les reins à l'état normal se projettent en regard de T12, L1, L2. T12, pourquoi? Parce que vous voyez la dernière côte ici. Donc, c'est T12, L1, L2. Donc, les reins se trouvent de part et d'autre de T12, L1, L2. OK? Les uretères lombaires se projettent en regard des apophyses transverses, c'est là. Et la vessie se projette au niveau de la fosse pelvienne. Voilà. Donc, les reins de part et d'autre de T12, L1, L2. La taille des reins, c'est 3 vertèbres et demi. Les uretères se projettent en regard des apophyses transverses, des vertèbres lombaires. Et la vessie se projette au niveau de la fosse pelvienne. Donc, il faut savoir que l'urtère, il a trois parties aussi. L'urtère lombaire, donc, quand il traverse, quand il se projette au niveau des apophyses transverses lombaires. Après, on a l'urtère iliaque, on regarde les articulations sacro-iliaques, puis l'urtère pelvien en bas. Donc, urtère lombaire, iliaque et pelvien. Voyez une image, donc un abdomen sans préparation, donc à destinée urinaire. Voyez les deux, les critères de qualité. On voit la symphyse pubienne, donc le bord inférieur, il est ici. On voit les deux dernières côtes. On voit les bords externes des psoas. Voyez ici les articulations sacro-iliaques. Pourquoi? Parce que les uretères passent ici. Donc, les reins se projettent en regard de T12, L1, L2, c'est ici. Les uretères lombaires, donc en regard des apophyses transverses des vertèbres lombaires. Les uretères iliaques, c'est en regard des articulations sacro-iliaques. Et les uretères pelviens, c'est latéralement au niveau de la fosse pelvienne. Ça va? Ça va? Il faut répondre. Deuxième technique d'exploration, c'est l'échographie. Donc, l'échographie, c'est une technique d'examen anodine, donc disponible, sans danger pour le malade, qui n'utilise pas les rayons. Donc, par l'échographie, on peut explorer les reins, donc la taille, la forme, la situation, le parenchyme, on peut explorer la vessie, la prostate, les vésicules séminales. On peut voir les uretères, surtout quand ils sont dilatés. Quand les uretères ne sont pas dilatés, c'est difficile de les voir en échographie. Et on peut étudier par le mode Doppler la vascularisation des masses. On étudie aussi, donc le point principal de l'échographie, c'est qu'elle fait la différence entre une masse solide et une masse liquidienne, c'est-à-dire liquide, c'est les tumeurs solides. Par contre, la radiographie standard, on voit uniquement une opacité. On ne peut pas faire la différence entre tout ce qui est liquide et solide. Ça permet de faire un complément d'examen, donc on peut explorer le foie, la vésicule biliaire, la rate, etc., tous les organes abdominaux, et on peut faire une surveillance par l'échographie et des ponctions. C'est la radiographie. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, on peut faire des ponctions drainage éco-guidées, guidées par l'échographie. Donc, les limites de cette technique, donc c'est une technique opérateur dépendante, c'est-à-dire chaque opérateur pose un diagnostic comme il veut. Donc, elle est limitée quand on a une obésité ou bien une aérocolie. Donc, et la fonction rénale, elle est non appréciée. Donc, on apprécie uniquement la taille et la morphologie du rein et on ne peut pas apprécier la fonction rénale. Voilà. Donc, à l'état normal, voyez le rein, il apparaît normalement avec la zone parenchymateuse qui est épo-échogène noire et le sinus du rein où se trouvent les vaisseaux et les cavités pélocaliciennes, etc. Ça apparaît hyper-échogène blanche comme ça. Donc, on peut mesurer l'épaisseur du parenchyme qui est de 10 à 20 mm en général. OK? Donc, généralement, on parle de différenciation parenchymato-sinusale. Donc, le sinus, il est blanc et le parenchyme, il est noir. Donc, c'est un rein normal.
le contour et les réguliers, donc on peut mesurer la taille et la situation, etc. On peut explorer aussi la vessie, donc on peut voir le contenu qui est soit donc le contenu de la vessie, donc il est homogène, noir, liquidien, et on peut apprécier la paroi qui est fine et régulière. Donc, et on peut terminer bien sûr par explorer les voies biliaires, la rate, le pancréas et le reste de la cavité abdominale. L'urographie intraveineuse, comme vous le savez, donc c'est une technique d'exploration qui est à la fois anatomique et fonctionnelle. Donc, ça consiste à injecter un produit de contraste au niveau d'une veine, du pli du coude généralement, et réaliser une série de clichés. Donc, le produit de contraste qu'on injecte, c'est un produit de contraste éliminé par le rein. Donc, il va opacifier au début le parenchyme rénal, puis il va opacifier les voies excrétrices. Donc, les contre-indications, donc c'est l'insuffisance rénale. Donc, en cas d'insuffisance rénale, on ne peut pas faire l'urographie intraveineuse parce qu'on va aggraver l'état. En cas de grossesse, bien sûr, ça contre-indique donc, les examens irradiants. En cas d'intolérance à l'iode, parce que les produits de contraste sont à base d'iode. Et en cas de myélome multiple, donc il faut hyper-hydrater le malade. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'aggraver, donc de créer une insuffisance rénale. Donc, le malade doit être à jeun et on va faire un interrogatoire pour le malade parce que quand on a un terrain atopique, c'est-à-dire un malade allergique, on doit faire une prémédication par les antihistaminiques pour éviter l'allergie aux produits de contraste. Parce qu'il y a des malades qui ont des allergies à certains produits, donc ils peuvent développer des allergies aux produits de contraste. Alors, les inconvénients, c'est un examen irradiant, ne détecte pas les petites tumeurs et ne différencie pas une tumeur solide d'un kyste comme toutes les radiographies. Voilà. Donc, voyez les différents temps. On fait un abdomen sans préparation, puis un cliché 20 à 46 minutes après l'injection. Donc, on appelle ça une néphrographie, c'est-à-dire on va voir les reins opacifiés. Puis, à 3 minutes, on va voir les cavités pilocaliciels. À 10 minutes, on va voir les uretères et la vessie. On peut faire des clichés par compression, décompression, vessie pleine et post-mictionnelle en fonction de ce qu'on veut voir. Alors, après 20 à 40 minutes, on a la néphrographie, c'est-à-dire le produit de contraste, il va opacifier les deux reins. Donc, le temps néphrographique, c'est l'opacité contre le produit de contraste au niveau du parenchyme rénal. Il n'est pas encore dans les voies excrétrices. Donc, le temps néphrographique permet d'apprécier donc, la situation des reins, T12, L1, N2, la taille, 3 vertèbres et demi, les contours du rein qui sont nets et réguliers et le grand axe qui est oblique en bas et en dehors. Donc, la situation, la taille, les contours et le grand axe. C'est ça l'intérêt du temps néphrographique. Le temps urographique est très important. Donc, le produit de contraste va passer au niveau des cavités pilocaliciennes. À l'état normal, les calices, cette partie de la calice, on appelle le fond caliciel. Le fond des calices à l'état normal, le fond caliciel, donc pour le myélome multiple, c'est une maladie que vous connaissez. Donc, quand on injecte un produit de contraste, il y a un risque de précipitation de certaines protéines au niveau des voies, au niveau du rein, et ça va créer une insuffisance rénale. C'est pour ça qu'on demande de faire une hyperhydratation pour le malade. Pour aller trop vite, parce qu'on est un peu limité par le temps, sinon on n'arrive pas à terminer pour de PC. OK? Donc, voyez, les fonds caliciels à l'état normal sont concaves. Le bord inférieur du bassinet à l'état normal, il est concave. La distribution des fonds caliciels, elle est régulière. Vous voyez que tous les fonds caliciels ne dépassent pas une certaine limite. Cette ligne virtuelle en pointillé, on appelle ça la ligne de Hodgson. La ligne de Hodgson, avec cette ligne virtuelle, on peut mesurer ou bien calculer l'épaisseur du parenchyme rénal. Donc, on a dit qu'elle est de 10 à 20 mm à l'état normal. OK? Donc, fond caliciel concave, bord inférieur du bassinet concave, distribution régulière des fonds caliciels et cette partie pointue là des fonds caliciels, on appelle ça les fournix. Les fournix sont toujours aigus. Vous voyez les fournix, c'est ça. Ça, c'est le fond caliciel et ça, c'est les fournix. Les fournix doivent être toujours aigus à l'état normal. Voilà. Ça, c'est un temps. Quand on opacifie uniquement le rein, on appelle ça un temps néphrographique. Quand on opacifie, donc le produit de contraste arrive au niveau des voies excrétrices, on parle de temps urographique, c'est-à-dire l'urogramme. OK? Donc, le temps urographique, vous voyez, les calices, donc le fond caliciel et les concaves, les fournix sont aigus, le bord inférieur du bassinet, il est
concave. Et vous voyez la ligne virtuelle de Hodgson, c'est cette ligne-là. C'est une ligne virtuelle. Elle est inexistante. Donc, si on trace une ligne comme ça, cette ligne sera parallèle au bord du Rhin. OK? Donc, vous voyez le bord inférieur du bassin, il est concave. Les fonds caliciels concaves. Les fourniques sont aiguës et la distribution régulière des fonds caliciels. Donc, avant, donc, le produit de contraste, donc on a dit quand il est au niveau du Rhin, uniquement on parle de temps néphrographique. Puis, quand le produit de contraste passe au niveau des calices, on parle de sécrétion. C'est-à-dire le début de remplissage des calices. La sécrétion, c'est l'apparition du produit de contraste au niveau du fond caliciel. Ça, ce n'est pas un temps sécrétoire, mais c'est l'excrétoire. Donc, les cavités calicielles et le pilon sont déjà remplies. Donc, la sécrétion, c'est juste l'apparition du produit de contraste ici. C'est avant cette phase-là. OK? Donc, on a le temps néphrographique, on a la sécrétion, c'est-à-dire l'apparition du produit de contraste au niveau des fonds caliciels, puis l'excrétion, c'est le remplissage des cavités piélo-calicielles. Donc, après, on peut voir les uretères comme ça. Les uretères sont fins et parfois, on n'arrive pas à voir les uretères sur toute leur longueur. Pourquoi? Parce qu'on a le péristaltisme. Vous voyez toujours l'urtère à l'état normal, il est discontinu, il n'est pas continu. Et on peut voir, donc, après la vessie, elle est homogène, à bord régulier, donc, et sans image pathologique. Le néphrogramme, c'est quand on voit le rein, c'est-à-dire quand le produit de contraste est au niveau du parenchyme rénal, on parle de néphrogramme. Quand le produit de contraste arrive au niveau des fonds caliciels, c'est la sécrétion. Et quand le produit de contraste opacifie les voies excrétrices, on parle d'urogramme ou bien le temps urographique. Donc, on a le temps néphrographique et le temps urographique. OK? Sécrétion, c'est donc au niveau des petits calices. Oui, c'est l'apparition du produit au niveau des petits calices, avant l'excrétion. Donc, on peut faire des clichés aussi. On appelle ça des clichés permictionnels, c'est-à-dire au cours de la miction, on prend un cliché, on va voir la vessie et on peut voir l'urètre. OK? Donc, ça, c'est un urètre d'une femme qui est rectiligne et court. Et ça, c'est un urètre d'un homme. Donc, vous voyez, donc, l'urètre prostatique, membraneux, bulbaire, et pénien. Donc, l'urètre de la femme, on le voit donc, sur le cliché de face. L'urètre de l'homme, la meilleure incidence, et ça c'est très important pour visualiser l'urètre chez l'homme, autant permictionnel que ce soit en UV ou bien en UCR, qu'on va voir par la suite, c'est le cliché de trois quarts oblique. OK? Temps néphrographique, c'est l'opacification du parenchyme rénal. Temps urographique, c'est l'opacification des voies excrétrices, tout simplement. La cystographie et l'UCR. C'est quoi la cystographie? Donc, quand on injecte un produit de contraste, non pas par voie veineuse, mais directement au niveau de la vessie, ou bien à travers l'urètre par voie rétrograde. Donc, on appelle ça urétrocystographie, ou bien cystographie quand on injecte directement le produit au niveau de la vessie. C'est comme ça. Donc, on prend un cathéter et on injecte directement le produit de contraste au niveau de la vessie. On appelle ça cystographie rétrograde, c'est-à-dire par voie rétrograde. Il y a aussi la cystographie suspubienne, c'est-à-dire on fait une ponction ici suspubienne et on injecte directement. Donc, la cystographie suspubienne, elle est réalisée quand on a un obstacle au niveau de l'urètre. Vous avez compris? Donc, on a la cystographie suspubienne et la cystographie rétrograde. OK? La cystographie, quand on injecte le produit de contraste par voie rétrograde, on appelle ça, à travers un cathéter, on appelle ça cystographie rétrograde. Quand on injecte directement dans la vessie, on appelle ça cystographie suspubienne. Quand on injecte le produit de contraste ici, on va opacifier l'urètre par voie rétrograde et la vessie. On appelle ça UCR, urétrocystographie rétrograde. Je crois que c'est clair là. Il faut répondre oui ou non. C'est clair? Oui et non. Donc ça, cystographie suspubienne. Cystographie rétrograde, urétrocystographie rétrograde. Quand on injecte ici, c'est une urétrocystographie rétrograde. Quand on injecte ici, c'est une cystographie rétrograde. Cystographie, c'est par rapport à la vessie, bien sûr.
Et quand on injecte par voie suspubienne, c'est une cystographie suspubienne, tout simplement. Voilà. Au cours d'une cystographie, ou bien urétrocystographie rétrograde, on a quatre clichés à réaliser. Donc, début de remplissage de la vessie, bien sûr, l'ASP, elle est toujours réalisée avant toute opacification digestive ou urinaire, on a vu ça. Donc, après, début de remplissage, moyen, donc c'est quand la vessie est moyennement remplie, réplétion complète de la vessie quand la vessie est pleine et post-mictionnel. OK? Avant le post-mictionnel, bien sûr, on doit faire un cliché permictionnel. Ça, c'est un cliché permictionnel où on voit la vessie et on voit l'urètre. L'urètre, ça, c'est un urètre d'un homme ou bien d'une femme? Homme ou femme? Homme, très bien. Et donc, c'est une incidence 3/4 pour voir l'urètre prostatique, membraneux, bulbaire et pénien. Très bien. La même chose, ça, c'est un cliché permictionnel, homme ou femme? FOH, très bien. Pourquoi? Parce que l'urètre chez la femme, il est court et rectiligne. Voilà. Donc, reste la TDM et l'euroscanner. La TDM, comme vous savez, on peut explorer l'appareil urinaire par donc, le scanner. Donc, les indications de la TDM donc, sont l'hématurie, suspicion d'une tumeur urothéliale, c'est-à-dire une tumeur des voies excrétrices. Bilan étiologique d'une hydronéphrose, bilan d'une maladie lithiasique, traumatisme rénal, contrôle des montages chirurgicaux et bilan d'infection complexe. OK? Donc, comme l'urographie intraveineuse, le scanner aussi, il est fait. Donc, sans injection de produit de contraste, après, on injecte un produit de contraste au cours des différents temps. Sans injection de produit de contraste, on voit les reins, on voit les reins ici. Le cliché, donc, ou bien la séquence sans injection de produit de contraste permet de visualiser les calcifications sont hyper denses, blanches, la graisse, et voir s'il y a une pathologie, c'est-à-dire tumorale ou bien lithiasique, beaucoup plus, OK? Donc, toujours on fait un cliché, bien une séquence sans injection. Après, on fait une séquence injection au temps précoce, donc on va voir le rehaussement de quelle partie du rein? C'est quoi cette partie-là? Yasmine, le cliché de 3/4, c'est une incidence oblique, c'est-à-dire il y a la face, le profil et le 3/4. Cortical du rein, très bien, c'est le cortical, ça c'est les pyramides de Malpighi. Après, regardez là, quand on, c'est-à-dire 90 à, au début, donc 15 à 25 secondes, c'est la néphro, donc c'est la corticale. Après 90 à 120 secondes, c'est la corticale et la médulaire. Après 3 minutes, donc c'est l'apparition des produits de contraste au niveau des voies excrétrices. Donc, c'est l'excrétion. OK? Bien sûr, quand on fait un scanner de l'appareil urinaire, on peut faire des reconstructions 3D, par exemple MIP, Maximal Intensity Projection, c'est-à-dire on va voir les zones où les densités sont très élevées. Vous voyez là, donc on peut voir les voies excrétrices, les reins, etc., mieux que l'urographie intraveineuse. C'est pour ça, actuellement, pratiquement, on ne fait plus d'urographie intraveineuse. C'est l'euroscanner qui a remplacé cette technique-là. Donc, regardez là. Donc, c'est une reconstruction MIP. On voit très bien les voies excrétrices, petit calice, grand calice, bassiné, urtère et vessie. OK? C'est clair? OK. Voilà. Aussi, c'est une reconstruction 3D. Yes. Donc, c'est une reconstruction 3D des voies excrétrices. On peut voir les reins plus les voies excrétrices, mieux que l'urographie intraveineuse. On peut voir aussi des reconstructions volumiques, c'est-à-dire 3D et 4D. Regardez les voies excrétrices. Donc, on peut voir les calices, le bassinet, les urtères, la vessie, etc. Ça, c'est une image scanographique avec reconstruction VR ou bien volumique. La même chose, on peut voir faire des reconstructions vasculaires. Regardez le rein. L'artère rénale gauche, l'artère rénale droite, vous voyez le tronc cœliaque avec l'artère splénique, l'artère hépatique et vous voyez l'artère mésentérique supérieure. Ça, c'est une reconstruction MIP et ça, c'est une reconstruction VR qu'on a vu. L'IRM, c'est la même chose. Donc, c'est un examen non invasif, non irradiant. Donc, il peut explorer la même chose que le rein, le parenchyme et les vaisseaux et les voies excrétrices. Donc, l'IRM, on peut la faire même chez la femme enceinte, alors que le scanner, on ne peut pas le faire parce que c'est un examen irradiant. Les inconvénients, donc c'est un examen coûteux et peu disponible. Et c'est un examen allongé, c'est-à-dire ça prend jusqu'à 40 minutes pour faire un examen uro-IRM. Donc, et les artefacts respiratoires et le péristaltisme, etc. Donc, ça peut gêner donc, les images radiologiques.
Les contre-indications, donc, voir les cours de l'IRM, vous connaissez les contre-indications de l'IRM, donc le pacemaker, etc. Et les trucs métalliques, les prothèses, etc. Tout ce qui est métallique contre-indique formellement. Tout ce qui est métallique contre-indique formellement l'utilisation de l'IRM. OK? Vous m'entendiez là? Vous m'entendiez là? Très bien. Il y a deux types de contraste. Il y a contraste spontané, c'est-à-dire on peut faire une IRM sans produit de contraste et on peut injecter un produit de contraste qu'on appelle le gadolinium. En IRM, le produit de contraste s'appelle le gadolinium. Donc, vous voyez, l'IRM, c'est une séquence T1 et une séquence T2. OK? Vous voyez, en T2, donc vous voyez tout ce qui est liquidien, il est blanc. Ici, tout ce qui est liquidien, il est noir. La graisse, elle est blanche en T1 et en T2. Vous voyez, en T2, il y a plus de blancheur ici, donc, parce qu'on a les urines ici au niveau des cavités pilocaliciels. Puis, quand on injecte le produit de contraste, c'est la même chose que le scanner. Vous voyez la corticale après la médulaire. Après, on peut faire des séquences uro-IRM, la même chose que le scanner. On peut voir les reins, plus les voies excrétrices, plus la vessie. T1 et T2, ce sont des séquences d'IRM qu'on a déjà décrites la dernière fois. Donc, en T1, tout ce qui est liquidien va apparaître noir et tout ce qui est graisseux va apparaître blanc. En T2, tout ce qui est liquidien, c'est le contraire, va apparaître blanc et tout ce qui est graisseux, il va rester blanc. Donc, ces deux séquences, en IRM, on appelle de signal. Tout ce qui est blanc, c'est un hypersignal. Par exemple, ici, c'est un hypersignal. Ici, c'est un hyposignal parce que c'est noir. OK, ce sont des séquences. Ce sont des séquences, c'est juste pour différencier les différents tissus. OK? Autre, on a la pyélographie descendante, la pyélographie rétrograde et l'urétéropyélographie rétrograde. C'est quoi ces techniques-là? Quand on a une dilatation des cavités pyélocalicielles et de l'urètre et on a une tumeur ou un obstacle ici, on ne peut pas faire une opacification basse ou bien. Donc, on peut injecter directement dans les cavités dilatées. On appelle ça une pyélographie descendante. On injecte ici et on opacifie les voies urinaires. OK? Les autres techniques d'exploration, donc l'artériographie rénale, l'angio-TDM et l'angio-IRM. L'artériographie rénale, donc, quand on injecte un produit de contraste au niveau de l'artère fémorale généralement, on pousse le cathéter que vous voyez là jusqu'au niveau des artères rénales, on injecte le produit de contraste et on voit les deux artères rénales. Ça, c'est une angiographie rénale. Vous voyez? Très bien. Donc, l'angioscan, donc, c'est une technique, donc c'est une reconstruction 3D, donc que vous voyez, c'est une reconstruction MIP, donc on peut voir ici l'aorte et les deux artères rénales et les deux reins. Vous voyez? Pourquoi on voit uniquement la corticale là? Parce que c'est un temps précoce, c'est un temps artériel. Le produit de contraste n'est pas encore arrivé au niveau des pyramides de Malpighi. C'est 20 secondes ici. On peut voir des reconstructions volumiques aussi par scanner. Regardez les artères rénales, l'artère mésentérique supérieure et le tronc cœlique. Ici, c'est une angio-IRM. Donc, la même chose avec l'IRM. On peut voir donc, les deux artères rénales, l'aorte et les reins. La radiologie interventionnelle, c'est quoi la radiologie interventionnelle, pardon? Quand on fait des ponctions, des biopsies, etc., guidées par l'imagerie, on peut être guidé par l'échographie, par le scanner ou bien par l'IRM. C'est comme ça. Regardez ici, on a une dilatation des cavités pilocalicielles, c'est-à-dire on introduit une aiguille là pour retirer les urines. On appelle ça la radiographie interventionnelle. Ici, donc on a une petite masse au niveau du rein. Avec le scanner, on ponctionne et on retire une partie. Donc, on réalise une biopsie. Ça va, c'est clair? On appelle ça la radiologie interventionnelle. C'est clair? Oui. Amina Ambona. Les explorations isotopiques ou bien la scintigraphie rénale aussi. Donc, on injecte un produit contraste radioactif comme la scintigraphie osseuse et on voit le parenchyme rénal. Est-ce qu'il y a des zones qui ne fixent pas le produit? Donc, ce sont des zones pathologiques au niveau des reins, comme vous voyez ici. On l'utilise au cours de l'insuffisance rénale ou bien au cours des infections rénales, etc. Les explorations urodynamiques, il y en a plusieurs, la débimétrie, la systomanométrie, l'urétromanométrie, etc. Ce sont des explorations qui mesurent la pression, c'est-à-dire quand on a une anomalie fonctionnelle, c'est-à-dire quand on a une vessie qui ne se contracte pas, mais qui ne se contracte pas bien, donc on réalise donc ce genre d'exploration pour voir
la pression dans la vessie, dans l'urètre, dans l'urètre, etc. Ce sont, on appelle ça les explorations urodynamiques. Ça consiste généralement à mesurer la pression et voir la contraction musculaire. Les étiologies, ou bien les pathologies de l'appareil urinaire sont nombreuses et variées. Vous avez tout ça dans votre cours, donc vous pouvez lire ça à tête reposée, donc les malformations, syndrome de stase, les tumeurs, les pathologies lithiasiques et les traumatismes. On va voir quelques exemples. Donc on va commencer par l'abdomen sans préparation. L'abdomen sans préparation, l'intérêt majeur, c'est de voir les lithiases urinaires, c'est la pathologie lithiasique. Regardez-là, donc vous voyez sur cet abdomen sans préparation, on voit cette image-là, calcique. On a vu au cours du, donc quand on a fait l'ASP, les calcifications normales et les calcifications pathologiques, les clartés normales et les clartés pathologiques, et les opacités normales et les opacités pathologiques. Donc les calcifications pathologiques, donc, sont des calculs rénaux. Donc regardez le calcul là, l'opacité, elle est en regard de T12, L1, L2, donc elle est dans le rein, ça peut être dans les calices ou bien dans le pied long. Okay? La même chose, regardez cette image calcique qui se projette sur l'air rénal, R avec E à la fin, R. Ce n'est pas l'air, A-I-R. Donc, ça, c'est des calculs qui se projettent sur les deux aires, sur les deux aires rénales. Ça, c'est un calcul dans la vessie qui se projette sur l'air vésical. Ça, vous voyez, des multiples calculs qui se projettent sur l'air vésical. OK? Des images denses, c'est des calcifications. La même chose, ce calcul-là, quel est le siège du calcul-là? Que vous voyez là. Cette image de lithiase, son siège, il est où? Urtère lombaire, très bien, parce que ça se projette sur les apophyses transverses d'une vertèbre lombaire, donc c'est le lieu de passage de l'urtère lombaire. Pourquoi la radioanatomie, c'est très important? Pourquoi? Parce que quand on a une image lithiasique qui n'est pas sur la projection de l'arbre urinaire, ça ne peut pas être urinaire. Si vous allez trouver une image calcique ici, ça ne peut pas être urinaire, parce qu'on sait très bien la projection de l'arbre urinaire. Ici, la même chose. Regardez. Donc, ce sont deux lithiases qui se projettent sur l'urtère lombaire. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une toute petite lithiase, on a difficile à voir, sur l'air vésical. L'échographie, l'intérêt majeur de l'échographie, c'est qu'elle permet de faire la différence entre les masses solides et les masses kystiques. La pathologie lithiasique et le syndrome obstructif. Regardez-là. Donc, les images kystiques apparaissent généralement noires, hypoéchogènes, bien limitées. Les masses solides apparaissent parfois échogènes, parfois hétérogènes comme ça. Donc, si on fait un ASP, les deux images vont apparaître une opacité, sous forme d'opacité. On ne peut pas faire la différence. Mais en échographie, on peut faire la différence entre tout ce qui est kyste et tout ce qui est masse solide. Ça va? Il faut répondre. Ça va? Très bien. Donc, ça, c'est une échographie vésicale où on voit la vessie. On voit cette image-là qui représente une tumeur vésicale. Vous voyez une image solide comme ça, à contour irrégulier, qui représente une tumeur vésicale. Voilà. Ici, c'est le rein avec la dilatation. On voit bien l'hydronéphrose. Ici, la dilatation du cavité piélo-calicielle. Ça, c'est le parenchyme rénal. Et ça, c'est le pied long. Le mode Doppler aussi permet d'apprécier la vascularisation. Ici, on a la vessie, on a une tumeur vésicale et cette tumeur, au mode Doppler, elle est vascularisée. Donc, c'est une tumeur vascularisée de la vessie. La lithiase, elle va apparaître comment? La lithiase, c'est une image hyper-échogène, c'est-à-dire blanche, avec un cône d'ombre postérieur. Un cône d'ombre postérieur. Vous allez voir une bande noire derrière l'image. Donc, ça, c'est spécifique des images calciques. C'est-à-dire, l'échographie peut mettre en évidence les images calciques. Ici, vous voyez la vessie, et vous voyez l'urtère pelvien qui est dilaté, et vous voyez une image ici au niveau du méa urétérovésical. Donc, c'est une lithiase enclavée au niveau du méa urétérovésical avec dilatation de l'urtère en amont. Ici, des images calciques au niveau de la vessie. Donc, c'est des calculs au niveau de la vessie. OK? Ici, vous voyez la vessie, vous avez un petit épaississement de la paroi vésicale qui est caractéristique des cystites. Les inflammations et les cystites donnent un épaississement régulier comme ça de la paroi vésicale. La paroi vésicale à l'état normal ne dépasse pas 3 mm. Si elle dépasse 3 mm, elle est épaissie. Donc, le seuil, c'est 3 mm.
Voyez ici la vessie, voyez une image qui sort comme ça de la vessie, on appelle ça un diverticule vésical. C'est une image liquidienne qui communique avec la vessie, c'est un diverticule vésical. OK? On peut poser le diagnostic de diverticule par échographie. L'urographie intraveineuse, bien sûr,